Donc là, je suis sur l'application SnapPress et je vais viser la photographie que l'on a travaillée en réalité augmentée. On voit qu'immédiatement s'affiche une modification des pixels, de l'image qui est autonome et qui est complètement liée au format originel de la photo. Alors le jour de l'exposition, le spectateur est invité à télécharger une application qui s'appelle SnapPress, qui permet de lire du contenu en réalité augmentée sur des imprimés. Et nous avons travaillé cette série de photographies de Poitiers. Donc en fait, il suffit d'ouvrir l'application, on accède directement à un scan et on pointe la photographie. Quand on la scanne, tout de suite, en fait, on apparaît un montage réalisé par une étudiante qui permet de repenser un petit peu l'architecture du lieu et même son environnement. Et donc là, on atterrit dans un espace de végétation, en fait, où toute l'architecture est même explosée par des arbres qui ont poussé à travers la cathédrale et les bâtiments. Ah, on est encore un jeu vidéo. Hein? Donc ça, c'est un exemple de réalité augmentée, hein. On est Oui, d'accord. tout à fait.